Jean-François Dupuis, photographe. Aujourd'hui, à la chronicographie, on va faire de la photographie d'action. La photographie d'action, c'est quoi? C'est de figer le mouvement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais travailler à une vitesse à peu près entre 1/400 et 1/250 de seconde pour figer le mouvement. On est quand même chanceux aujourd'hui, c'est une journée ensoleillée. Évidemment, mon appareil, je vais le mettre à 4-5 ISO, ce qui est en masse pour figer le mouvement. Pour ça, on va prendre deux jeunes qui font ce qu'on appelle du parcours. On va les suivre dans différents spots dans la ville. Aujourd'hui, on va travailler en fisheye. Le fisheye, c'est une lentille qui est très, très, très grande, qui couvre 180 degrés. On va faire des photographies d'ambiance on va utiliser des éléments d'architecture, de bout de ciment, des choses comme ça. On va se promener dans différents coins de la ville. On va essayer de les suivre. On va faire de la photographie d'action. La photographie d'action, bien évidemment, ça va être de figer le mouvement. C'est des gens qui font des acrobaties dans les airs, donc on va essayer de figer ça dans les airs. Je ne travaillerai pas au flash pour déboucher, donc je vais vraiment travailler juste avec un boîtier et 7 focales. On va les laisser se présenter. Moi, c'est Joe. Moi, c'est Joe aussi. Moi, je fais du parcours depuis 4 ans. Moi, depuis 2 ans. Puis on pratique ça. C'est un sport qui mélange acrobatie, course, escalade. C'est un sport qui demande beaucoup de finesse, d'agilité. De concentration surtout. En fait, c'est un peu un sport mi-extrême, mi-normal. C'est l'art de se déplacer à la verticale ou dans des endroits où les gens normaux ne circulent pas. C'est aussi le moyen de passer d'un point A à un point B à une vitesse quasi extrême. L'art de sauter de haute distance ou de parcourir de longs sauts d'un toit à l'autre ou des choses comme ça. Mais comme on disait tantôt, c'est un sport qui demande de la finesse, une force musculaire et mentale aussi, puis surtout énormément de sécurité et de précaution. Parce que à la hauteur à laquelle on pratique ce sport-là, les chutes sont souvent très... Ça peut faire assez mal. Ouais, c'est ça, sont très douloureuses, puis ça prend un certain temps avant de s'en remettre. Mais d'abord et avant tout, on le pratique parce que c'est une chose qui se pratique sans argent. Vous avez besoin d'une paire de souliers, une paire de pantalons, si vous avez des gars, un chandail. C'est pas comme un sport comme les bicycles, ça te prend le vélo, le casque, l'équipement de sécurité. Ça monte, c'est cher. Ça coûte rien, ça se pratique partout. On peut pratiquer ça dans un parc, comme là présentement, on est dans une cour de palais de justice. Puis je vous le dis, suivez-nous, vous allez trouver ça vraiment cool.
conclusion, faire de la photographie de sport, c'est pas évident. Il faut anticiper le mouvement. Ce que j'ai trouvé difficile, c'est vraiment de ne pas toujours être à la bonne place au bon moment, surtout que c'est des acrobaties. Ça a été un facteur de difficulté. On a aussi perdu un des deux traceurs. Le parcours, ben, c'est pas comme le vol, c'est un petit peu plus risqué. On risque de se fouler quelque chose, et ça a été le cas. La photographie de sport, c'est pas quelque chose que je fais souvent, donc je suis sorti de ma zone de confort. J'ai quand même aimé beaucoup l'expérience, c'est quand même intéressant. On se voit à la prochaine chronicographie. Salut!